Allez, on va travailler une entrée. Vous allez faire en fait une feinte de coup de pied direct pour vous rapprocher et ensuite vous allez chouquer avec la jambe arrière. D'accord ? Donc ça va être souvent, on va avoir fait d'abord plusieurs fois des directs ou c'est pour faire créer une réaction chez l'autre. Boum, et ensuite quand vous posez votre jambe, hop, et vous chouquez. Pour l'instant, on commence avec un low kick de l'arrière, mais après on verra. Et il y a plusieurs possibilités. Ok, vous travaillez ça, c'est tout simple. Juste, on ne fait pas d'appel. Hein. D'accord ? Vous ne faites pas de pas chasser, c'est directement lever, sauter en avant. Boum. Ok ? On y va. Faites juste attention, hein, c'est pas un et je saute comme ça. Hein. Je saute au début, je pose, je frappe. D'accord ? Mais ne sautez pas d'une jambe à l'autre. Ok ? Ça fait un truc bizarre sinon, si vous faites un truc comme ça. D'accord ? Donc là, c'est hop, hop, boum. Au moment où je pose, j'envoie. Mais je pose et j'envoie. Je fais pas ça. Ouais, c'est une feinte. Mais il y en a où vous me faites ça. Ça fait un truc tout bizarre. Okay. Donc je rentre là, oh, et boum. Ok, on y va. Là, si vous avez du mal, vous devez essayer de vous entraîner d'abord la jambe levée, saut à cloche-pied et frapper. D'accord, là j'ai vu des trucs. Là, je peux même pas les faire, tellement c'était bizarre. Ok, donc même entrée. 1, 2, et cette fois j'envoie la jambe avant. Je vais faire 1, 2. D'accord, donc on a vu 1, 2. Maintenant on voit 1, hop, 2, je rebondis sur ma jambe avant. 1, 2, je viens casser la distance, hop, ouh, je rebondis. Ok ? Du coup tu la places derrière ? Pas vraiment, je fais 1 et plus ou moins sur la même ligne. Okay. On peut le faire soit vraiment avec un switch, ou parfois on peut faire juste un rebond. D'accord, ou là je fais. Donc c'est pas vraiment un switch, c'est juste ça. Ou alors je fais vraiment mon switch, hop, boum. Ok ? On y va. Chacun son tour une fois, vous pouvez faire l'attaque sur la hauteur que vous voulez par contre. D'accord ? Donc, sur 2 minutes, je vais rentrer, boum, m'envoyer, ensuite une fois à lui, bim, boum, 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 boum. Ok ? Après, vous pouvez tricher un peu avec le regard aussi. Regardez en haut et. On y va, 2 minutes, chacun son tour. Ok, regardez, même entrée, on est là. Oh, oh, oh. Je m'en sers pour rentrer dans une distance de points. Vous pouvez même lever un peu exprès, lever un peu pour faire réagir en haut et vous allez aller au corps sur le premier. D'accord ? Donc je me rapproche. Un, boum, boum, boum. Ok, c'est un exemple. Ça peut être aussi ça et contrôle, d'accord ? Ouais, vous pouvez travailler en coude, il y a plein de possibilités. C'est faire une réaction, casser la distance, je peux envoyer mon coup de pied. Je lève, hop, hop, hop. Je lève, hop, hop, hop. Je vois qu'il y a une ouverture au corps, boum, j'y vais. D'accord, donc là, vous rentrez. Vous pouvez faire soit comme ça, le cross un au corps, remonter, boum. Ou alors, vous pouvez aussi aller chercher le foie. Hop, oh, hop, hop. Ok, on y va. Donc là, chacun son tour une fois, on incorpore ce qu'on vient de faire et vous pouvez continuer un peu vos enchaînements. C'est-à-dire quand si j'ai fait par exemple celui-là, je peux en mettre un autre. Si j'ai fait celui-là, je peux continuer un petit peu derrière. Ok. Je peux commencer par mes poings, hop, 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 hop. Je peux commencer par mes poings ici, pour les percutes, d'accord. Juste là, je vous ai donné une entrée avec... trois types d'entrées des différentes, c'est-à-dire sur le même mouvement, soit utiliser sa jambe avant, utiliser sa jambe arrière, ou rentrer en distance de point. Maintenant, vous amusez avec ça. Ok ? Vous faites un peu ce que vous voulez, en respectant soit ça, mais vous allez avoir ces possibilités. Voilà, ça, et là, boum ! Ça peut se transformer presque en Superman Punch du bras avant. Je suis là, hop, ah, boum, bras, boum ! D'accord ? Plein de possibilités pour s'amuser. On y va, 2 minutes, chacun une fois son tour, dans la même garde, et après on change de garde. Là, sur cette entrée qu'on fait en sautant, c'est important de penser quand même plus saut vers l'avant que vers le haut. Donc, il ne faut pas aller chercher la hauteur. Il faut soulever son pied juste de ce qu'on a besoin pour faire le saut, mais vers l'avant et non pas vers le haut, parce que sinon, ça va mettre beaucoup moins de pression à l'autre. Si c'est bien fait, le saut, normalement, l'autre, il doit avoir une réaction de défensive instinctive comme ça, où il va un peu se crisper. Et c'est ça qui va créer les ouvertures et... qui va permettre de prendre un petit avantage parce qu'on va utiliser cette réaction naturelle de crispation. Ça va nous donner un petit temps d'avance pour réussir à prendre de vitesse l'autre. Tu veux apprendre les sports de combat mais t'as pas de club près de chez toi. Ou alors t'as pas les moyens de t'en payer un. Peut-être aussi que t'as pas le temps d'y aller
ou que les horaires ne te conviennent pas. Mais t'as quand même envie d'apprendre ou de te perfectionner si tu pratiques déjà. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé mes formations. Elles vont te permettre d'apprendre et progresser rapidement avec des explications claires et faciles à comprendre. C'est ce que j'appelle un véritable accélérateur de progrès. Pour te remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je te donne un code promo secret. Il va te permettre d'avoir 20% de réduction sur ta première commande. Le nom du code est code secret. CODESECRET. En cliquant sur le lien dans la description, tu vas arriver sur une page où tu verras toutes les formations que je propose. Il y en a forcément une qui va te permettre de passer à la vitesse supérieure dans ton entraînement. Allez, clique dessus et je te dis à tout de suite.